Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma gamme d'huile, de produits soins pour ma barbe. Alors, j'utilise pour l'instant qu'une seule et unique marque, celle de chez Mansbird, qui pour moi me satisfait amplement puisque la barbe, elle la rend quand même assez douce, moins rêche qu'avant. J'utilise depuis le mois d'octobre et je peux vous dire que j'en suis très 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 satisfait. Alors il y a des produits que j'utilise et des produits que j'utilise pas encore parce que j'en ai pas encore l'utilité. Parce qu'il y en a d'autres que je dois utiliser et terminer. Alors je vais commencer par un produit que j'utilise pas beaucoup, mais que j'utilise parfois parce que j'aime bien quand je me rase. Enfin, quand je me rase. Quand je me taille. Donc c'est le premier, c'est le gel de rasage de chez Mansbird. Hein. Donc c'est le gel que j'utilise quand je dois me raser sur les côtés, en dessous, etc. Donc c'est un gel qui prépare donc ton poil à être coupé, donc il le rend plus souple, qui prépare donc là où tu veux tailler. Après tu peux te raser complètement avec, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est un produit qui prépare tes poils à être rasés. Et donc voilà, donc c'est un très très bon produit. Ensuite il y a le shampoing, même si j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc le shampoing, donc pareil, c'est un shampoing fortifiant. Au silicium, protéines de blé, l'huile de ricin, donc il n'y a pas de sulfate, il n'y a rien, c'est un produit 100% français, avec 99% de produits naturels. Donc je conseille fortement pour ceux qui ont des problèmes capillaires, pas pour ceux qui perdent leurs cheveux, hein, pour ceux qui ont donc des problèmes plus de pellicule, je pense. Hein. Oui, voilà, donc c'est un soin capillaire et ça apporte franchement de la souplesse et de la force aux cheveux. Donc c'est pour ça que je l'utilise et je perds beaucoup moins mes cheveux avec. Ensuite, j'ai un shampoing que j'ai utilisé pendant un moment parce que franchement, c'est un shampoing que je connaissais pas. Donc c'est de l'huile de l'aloe vera avec des extraits de fruits. Je connaissais pas du tout. Et c'est le shampoing pour barbe spéciale. Hein. De toute façon, c'est toujours les produits de chez Mansbird qui sont 100% français. Et c'est pour ça que j'utilise que ces produits-là parce qu'ils sont 100% français. Hein, donc ça vient pas de Chine, etc. etc. Ensuite j'ai découvert que il y avait des savons solides pour la barbe que je connaissais pas non plus du tout et que j'ai testé et que franchement j'en suis à 100% satisfait parce qu'en plus il n'est pas gras, il est rien, et franchement ça rend ta barbe super souple. Et en plus c'est au lait de chèvre. Donc pareil, le savon à barbe, franchement. Un kiff total. Alors, un truc aussi que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout non plus. Et d'ailleurs, j'ai même été surpris quand j'ai ouvert la boîte, parce que je me suis dit, ah bon, ça existe. Donc, c'est un shampoing solide. Pareil, que je connaissais pas du tout. Parce que pour moi, le shampoing, c'est pas solide. Donc, c'est celui-là, il est à la menthe verte. Il sent très bon. Et bon, on voit pas du tout, on ne peut pas le voir derrière, mais c'est bien marqué fabrication 100% française. Donc on est du 100% français. Hein, d'ailleurs, il a le drapeau bleu, blanc, rouge devant, donc pour montrer que c'est bien 100% français. Ensuite, on va passer, là c'était pour les soins, pour les laver et tout. Ensuite, je vais passer pour un produit que j'utilise pour la journée, avant de partir, quand je dois sortir et tout, c'est les huiles. Parce que oui, on utilise des huiles. Donc je vais vous... Le premier que j'ai utilisé... Pareil, quand j'ai lu les compositions, je me suis dit, ah, on va peut-être pouvoir en manger. Donc, c'est celui-là. C'est le chocolat caramel. Donc, celui-là, je n'utilise pas beaucoup parce que pour moi, c'est plus folklorique. Donc, c'est plus quand je fais des sorties ou quand je vais en soirée ou quand je vais en famille. Comme ça, ils aiment bien sentir le chocolat caramel. Donc, 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 100% français. J'insiste là-dessus parce que c'est 100% français et il est à Montpellier. Donc c'est 100% français. Ensuite, on a celui que j'ai utilisé. C'est mon. Le deuxième que j'utilise le plus. Donc c'est celui qui est là. Donc le vanille mangue. C'est celui que j'utilise quasiment le plus. Enfin, en deuxième. Parce que le premier, je vais vous le montrer après. Donc toujours pareil, franchement. C'est.
C'est le produit phare pour les barbus. Et mon gros, gros, gros coup de cœur que j'ai eu quand j'ai reçu le colis, mon gros coup de cœur, c'est le canne à sucre. Alors, au départ, quand je l'ai eu, je me suis dit canne à sucre. J'ai cru que, bah, comme il y a du sucre dedans, j'ai cru que ça allait être collant, que ça allait être. Eh ben non. Eh ben franchement, j'étais très, très, très surpris parce que c'est quelque chose qui n'est pas gras, qui laisse ta barbe très douce. Et franchement, et t'as pas besoin d'utiliser beaucoup, tu mets juste quelques gouttes dans le creux de ta main, tu chauffes en frottant et tu l'utilises. Tu le. Voilà. Donc depuis que j'utilise les huiles, ben oui, ma barbe elle est plus souple. Elle pousse mieux. Je trouve qu'elle pousse beaucoup mieux. Et personnellement, les gens qui me voient maintenant disent, bah oui, elle est mieux taillée, elle pousse beaucoup mieux. Elle est plus droite qu'avant. Avant, elle partait un peu dans tous les sens. Et donc voilà. Et bien sûr, bon, ça ne vient pas de chez Mansburn, mais j'utilise la brosse donc en poil de sanglier. Parce que le poil de sanglier, c'est très souple. Et c'est très bon pour la barbe. Donc en bois et non pas en plastique. Ne prenez rien en plastique. Parce qu'en plastique, en général, si tu prends du plastique, c'est que c'est pas d'origine naturelle. Donc pareil. Donc retenez bien Mansberg 100% français. La boîte est fabriquée en France. Le produit est fabriqué en France avec des huiles d'origine naturelle. C'est du 98% d'origine naturelle, puisque les 2% c'est pour l'emballage, comme c'est du carton. Mais c'est du carton recyclé, recyclable. Donc franchement, franchement, c'est le top du top. C'est celui que j'utilise le plus. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester d'autres produits, mais celui-là, c'est le top du top. Donc je vous mettrai en description le site internet pour que vous alliez voir. Les prix sont pas excessifs. Franchement, ils sont bon. Et il est représenté quasiment dans tous les chez tous les barbiers de France. Donc, vous pouvez faire confiance. Donc voilà, je vous remercie. Donc n'oubliez pas de me suivre. Si vous avez des questions à poser, venez me voir sur Instagram. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et je vous mettrai en description ben, l'adresse du site Mansbird. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas le 100% français.